Salut à tous et salut à toutes, c'est Yugo05 et non, vous ne rêvez pas, c'est bien du gameplay de Killzone Shadowfall que vous voyez à l'écran. Et oui, je suis maintenant en mesure de capturer sur ma PS4. Alors, bon, là, j'utilise un splitter HDMI, hein, contrairement à une méthode qui consiste à utiliser Fraps pour capturer directement le streaming de la fonction share de la console. Bon, ça, c'est possible aussi, mais faut avoir un PC de, faut avoir une bête de course question PC, et c'est pas vraiment mon cas. Donc, non, ce n'est pas Killzone Shadowfall qu'on va tester aujourd'hui. Moi, vous savez, je suis un amateur de jeux de combat. Et de boobs aussi, accessoirement. Mais bon, voilà, hein, la Xbox One a Killer Instinct et Fighter Within, mais moi, qui ai acheté la PS4, eh ben, je dois me contenter d'un recyclage bidon. Injustice, les dieux sont parmi nous. Ultimate Edition, le jeu de combat de NetherRealm Studio. Donc, c'est parti! Alors, tout commence lors d'une journée de routine dans la belle ville de Metropolis, où les héros et les vilains se bagarrent joyeusement dans la joie et la bonne humeur. Pendant cette sympathique récréation, le Joker se prépare à tirer le feu d'artifice final en déclenchant une ogive nucléaire afin de raser Metropolis. Mais alors que les autres héros fondent sur lui pour essayer de l'en empêcher, un petit groupe de héros composé de Batman, Wonder Woman, Green Lantern, Green Arrow, Aquaman et le Joker se retrouve soudain transporté dans le futur. Un futur très lointain où les événements ont pris une tournure pour le moins tragique. Rendu fou par une ruse du Joker, Superman a tué Lois Lane et a réduit Metropolis en poussière. Quand on voit ce genre de choses, on est quand même content que les super-héros, ça n'existe pas, hein. Bref, fou de rage, Superman tue le Joker et bascule littéralement du côté obscur. Il fonde un gouvernement mondial du nom de Terre Unie et règne sur la planète en véritable tyran à la tête d'une armée de Hellghast. Il élimine tous ceux qui s'opposent à lui. Tous les super-héros et vilains ont été asservis ou tués. Seul Batman est parvenu à lui échapper, et c'est justement lui qui a fait venir les doubles du passé de nos héros afin qu'il les aide à renverser ce Superman maléfique. C'est bon, vous avez suivi ? Simple comme bonjour. Bon, pour la réalisation, côté graphique, étant donné que c'est un recyclage, ce n'est pas une démonstration flagrante de ce que la PS4 a sous le capot, ça c'est clair. Côté réalisation, c'est quand même bien fait, hein, les personnages sont bien modélisés, les décors sont très vivants et se détruisent au fur et à mesure que les combats avancent, et entre Metropolis, Gotham City, l'arène, l'asile d'Arkham, la tour de garde, Atlantis, on retrouve les lieux emblématiques de l'univers de DC Comics, même si c'est très très concentré sur Batman et Superman. Moi j'aurais aimé voir, je sais pas, la base des Green Lantern ou d'autres lieux, mais bon, hein, c'est comme ça, on peut pas tout avoir malheureusement, hein. Côté violence, ben bon, je vais pas dire qu'elle est absente, hein, déjà en soi un coup de poing au visage ou un couteau planté dans l'abdomen, c'est de la violence, et puis des blessures apparaissent sur le corps des personnages, mais déjà, première chose que je comprends pas, c'est que quand les personnages sont vaincus, au lieu de rester allongés, inanimés sur le sol, ils se relèvent pour ensuite s'écrouler, comme s'ils s'étaient déchirés un muscle. Et quand la violence devient trop extrême, ben, elle est très très suggérée, hein. Je pense notamment à la cinématique de victoire du Joker, drôle de manière de déclarer sa flamme. Parce que t'aurais préféré un gros plan sur cette pauvre fille qui prend feu, peut-être?
Non, pas forcément. Mais les comics de super-héros aussi peuvent se montrer très violents et gore quand ils le veulent, hein. Bon, j'imagine qu'ils ont cherché un juste milieu entre la violence extrême de Mortal Kombat et la violence douce de Mortal Kombat versus DC afin de s'adapter à un public plus large, étant donné que les super-héros ça plaît quand même aux enfants. Mais le jeu est quand même pour les 16 et plus, et aujourd'hui les PEGI, faut pas les prendre à la légère, hein. Chers parents, n'offrez pas ce jeu à votre bambin de 8 ans pour Noël, même si c'est un fan de Batman, offrez-lui plutôt une figurine. Bon, on passe au gameplay. Déjà, les combats ne se déroulent pas en rounds, comme dans la plupart des jeux de combat. Ici, chaque personnage a deux barres de santé. Une fois la première barre épuisée, le combat s'interrompt momentanément. Là, on est plus dans le trip Killer Instinct. Niveau des commandes, évidemment, vu que c'est les mêmes créateurs que Mortal Kombat, ils en ont repris la recette, hein. On a trois boutons d'attaque, faible, moyenne et puissante. On peut varier les coups avec les directions, gauche et droite, et ensuite les coups spéciaux. Et enfin, le dernier bouton sert à utiliser l'atout de votre personnage, c'est-à-dire un petit truc qui lui est propre. Et c'était pas toujours clair, hein. Pour certains, faut consulter la liste des commandes pour comprendre concrètement comment ça marche. Par exemple, pour Green Arrow que j'utilise, là, vous avez trois combinaisons de boutons pour armer trois différents types de flèches, flèches de feu, flèches de glace et flèches électriques, et ensuite on tire la flèche avec le bouton, voilà. La jauge de puissance se remplit en donnant ou en recevant des coups, surtout en recevant. Elle permet d'améliorer vos coups spéciaux, mais aussi de faire des cancels afin d'élaborer des combos de ouf, après un certain entraînement bien sûr, hein. C'est sûr que quand on voit les trailers, ça a l'air super simple. En utilisant toute votre jauge, vous lancez la super attaque propre à chaque personnage, mais attention au choc. Tu la fermes jamais ? Un mardi sur deux. Quand un choc se produit, les deux joueurs misent une certaine quantité de jauge. Celui qui en a misé le plus gagne le choc. Si l'attaquant gagne, il inflige des dégâts à l'adversaire. Si le défenseur gagne, il récupère de la santé. Et enfin, la grande force du jeu, c'est l'interactivité avec le décor. D'une simple pression sur le bouton R1, on peut utiliser le décor contre son adversaire. Et en plus, ils ont respecté une certaine logique, car chaque personnage l'utilise différemment selon ses compétences. Les personnages puissants soulèvent les éléments pour les fracasser contre l'adversaire, tandis que les autres s'en servent pour bondir et passer derrière, hein, se tirer d'un mauvais pas, ou pour attaquer en piqué. Par contre, en ce qui concerne les transitions de niveau, là, fuck la logique. Pour la durée de vie et le challenge solo, c'est assez fourni. Bon, d'abord, vous devez finir le mode arcade avec chaque personnage pour débloquer leur cinématique de fin. On peut jouer le mode arcade avec toutes sortes de règles, mais ce qui est dommage, c'est que seul le mode arcade normal vous débloquera la cinématique de fin, et c'est le seul où vous pouvez sélectionner un niveau de difficulté. Tous les autres modes ont une difficulté par défaut et ne vous débloqueront rien. Mais si vous vous sentez l'âme d'un PGM, essayez de finir le mode grand chelem où vous affrontez tous les personnages du jeu avec une seule barre de santé. Ensuite, il y a le Stars Lab, où vous devez accomplir 10 missions pour chaque personnage sous fond de micro-scénarios. Par exemple, Catwoman doit entrer chez Batman et voler la Batmobile. Ces missions sont souvent des combats avec des règles un peu bizarres, mais il y a aussi des mini-jeux, comme une partie de Pong ou de la masturbation de manette façon track and field. Et pour chaque mission, il y a 3 étoiles à gagner. La première se gagne en accomplissant la mission, les deux autres se gagnent en remplissant des conditions spécifiques. Alors déjà que certaines missions sont pas évidentes, alors récupérer les 3 étoiles, c'est costaud. C'est l'heure du grand final. Verdict, alors si vous êtes un amateur de baston et de super-héros, c'est clair qu'Injustice Ultimate Edition est fait pour vous, hein, Netherrealm Studio a fait un excellent travail, mais là vous avez vu les images sur PS4 où il coûte le prix fort, hein. Prenez-le plutôt sur PS3 où il est moins cher, hein, 40€ contre 70€ sur PS4, curieusement il est disponible sur PS3, PS4, PSC, PS Vita, Xbox 360 aussi il paraît, mais je ne l'ai pas vu, par contre il n'est pas disponible sur One. Faut pas chercher à comprendre des fois. Bon bah voilà, c'était Hugo05 pour consolefun.fr sur un vidéo test de Injustice, les dieux sont parmi nous, Ultimate Edition sur PS4. Et c'est le dernier vidéo test de l'année 2013. Alors quels sont mes projets pour l'année 2014 au passage? Eh ben déjà je vais essayer de remodeler le format de mon émission entre les séquences live et les séquences de jeu. Je vais essayer d'apparaître un peu plus souvent, enfin ne pas me limiter juste au début de la vidéo. Ensuite, je pense pouvoir faire des lives pour consolefun.fr, des lives justement spécialement dédiés aux jeux de baston, puisque j'aime ça. Là, j'ai l'embarras du choix, j'ai à peu près tout. Mais bon, le problème, c'est que quand on fait des lives, c'est pour monter un certain skill. Et moi, question skill, bah,
J'en ai pas beaucoup, hein. Pourquoi je ferais des lives si c'est pour me prendre une déculottée à chaque fois? Enfin, on verra bien. Donc voilà, donc je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Donc à l'année prochaine pour de nouveaux vidéos tests. Et voilà, à une prochaine vidéo. Bonne année, bon réveillon, rentrez sobre. Voilà, au revoir, ciao.